ferme creusoise se transformait en toile géante. Connexion immédiate avec Maco Moya, peintre muraliste péruvien. La vision de la France, on pensait que c'était plutôt un grand pays, plutôt urbanisé. On dirait plutôt comme, je sais pas, comme New York, comme les images de Paris, comme Tokyo, je ne sais pas, le futur. C'est incroyable la quantité de forêts et d'espaces naturels qu'il y a en France, en fait. J'ai commencé à travailler comme muraliste tout jeune, 20 ans, au Pérou aussi. Et quand j'ai venu ici, bon, j'ai essayé de développer ça ici dans l'espace rural, en fait, dans la campagne. Parce qu'on habite ici au milieu de la campagne. Ça, petit à petit, me permet de travailler des projets de street art. Je trouve que c'est vraiment ramener l'art à tout le monde. Non? En parlant des matières, c'est très intéressant. Chaque mur, il a plein de matières, c'est un support vraiment docile, on dirait, et agréable à travailler. Je suis toujours libre. La contrainte, surtout, c'est de que ce soit créatif, de que j'ai la liberté et toute la confiance pour y aller où je veux, en fait.